Salut à tous, c'est Ozzy et on se retrouve pour le 22e épisode de Tomb Raider que nous allons en reprendre sans plus attendre. Et je vous rappelle brièvement que dans le 21e épisode, nous sommes venus et arrivés dans ce laboratoire de recherche, toujours dans l'idée de découvrir comment faire pour arrêter ces pointettes qui sont loin d'être naturels et qui nous empêchent de quitter le Yamatai. Alors... Le tombeau doit se trouver dans les niveaux inférieurs. Je suis au niveau 2... Ok... Ah! Non, il est bloqué. C'est bloqué. Ok, alors. C'est là que je dois aller. Oui, en effet. C'est là que je dois aller. Et comment je fais? Pour y aller. Donc. Je ne peux pas passer par là non plus. Attends. Ah, peut-être. Non, par-dessus non plus. C'est intéressant tout ça. Bon, en effet, il y en a une partie qui est pétée. D'accord. Et... Comment fait-on dans ce cas-là? Ah, c'est là qu'il faut aller. Petit patata. Pourquoi je n'ai pas le silencieux? Ça n'a pas l'air de bouger des masses. Même passer dans le trou. Bon, je ne comprends pas comment faire. Et c'est très ballot pour un début d'épisode de se retrouver coincé comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, j'essaie de trouver qu'on pourrait s'accrocher quelque chose ou qu'est-ce. Ah bah si, c'était tout bêtement ça. D'accord. Oh, oui, pourquoi pas. Ok, je suis sur la bonne voie. Je dois juste trouver un moyen de faire descendre le mont de charge avec plus de force. Avec plus de force. Et j'imagine qu'il va falloir que je passe par là pour trouver ça. Ok. Et un journal. Commandement, agent de terrain. Stop. Trinity mécontent de l'absence de progrès. Stop. Acquisition du phénomène étoile impérative. Stop. Envoi d'un nouvel agent pour assurer succès de la mission. Stop. Ça fait très inspecteur Gadget. Stop. Le docteur Mad est de retour pour faire les mauvais tours. Stop. Oui.
décider d'enlever le docteur Rasputin. Stop. Ce message s'autodétruira une fois que vous l'aurez lu. Stop. Alors, montons au niveau 4. Je m'attendais à devoir balancer quelque chose d'ici, mais visiblement, je n'en aurais pas besoin. Je vais pouvoir faire une modification d'arme. Ah oui, aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais je vous rappelle que nous avons modifié l'arc. Dans l'épisode précédent, nous avons obtenu un arc de compétition. Et maintenant, j'espère que ça va suffire. Eh bien non, bien entendu. Alors, que faire, comment faire? Il faut absolument que je débloque ce qui reste. Oui, je suis d'accord, il faut débloquer ce qui reste. La question est... comment? Allez, truc à balancer dessus pour que ce soit plus lourd. Je suis en train de dire ça, je sais pas, mais par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a des matériaux à récupérer là. Alors. D'accord. Faut pas le faire redescendre d'ici. Très mal conçu. Si vous voulez mon avis. Ah d'accord, je crois que j'ai une petite idée. Il va falloir que je fasse sauter toutes les autres roues. Oh bordel de merde, d'accord. Je dois trouver un moyen de dégager le passage. D'accord. Je crois que je viens de comprendre une chose. Et... ok, d'accord. Alors... hop. Déjà, ça c'est fait. Ensuite, là, il y a une chaîne. D'accord, ça pourrait me permettre de péter la roue ici. Ok. Ça, c'est déjà une chose, mais comment atteindre là ? Encore 3 de plus et le monte charge tombera. Alors oui, encore 3 de plus et le monte charge tombera. Toc. Voilà. Hop. Voilà, ça c'est bon. Et ça c'est bon.
Et de 2. Non. Mais non. Faut qu'il reste au-dessus. Voilà. Plus qu'un, et le monte-charge sera dégagé. Bah ouais, mais comment je pète la dernière, ça? C'est une grande question. Alors, celle qui reste, c'est celle-ci. Il va falloir que je la mette au niveau 3, et je pourrais y accéder... à mon avis, en passant par là. Et... ah non, je peux y sauter là. D'accord, ok. Donc non, c'est bon. J'ai juste qu'à le faire descendre au niveau 3. Oups, j'ai dit, j'avais plus qu'à sauter là. Hop! Voilà. Et attention. C'est parti! Et là. Voilà. Tout simplement. Et là, je vais ouvrir la porte. Et voilà. Bon, eh ben, il m'aura fallu longtemps, trop de temps, pour trouver comment faire, mais j'ai trouvé. Il y a de l'ennemi dans les environs. Dis-moi où est ton copain ? Et... hop là. Ok, des matériaux, encore et toujours des matériaux. Ça, ça marche pour moi. Alors... pour là, oui, non, rien d'intéressant. Ah, peut-être que je peux ouvrir le casier là. Voilà. Pour plus de matériaux, toujours plus de matériaux. 65 quand même, c'est pas négligeable. Ok, c'est ici, d'accord. Bon.
Un samouraï mort. Ces personnages, des guerriers, ils étaient dans le tombeau de la reine. Ils la protégeaient. Oui. Et ça, c'est toi. Tu étais une sorte de général. Tu t'es fessé beaucoup. Pourquoi ? Magnifique. Ouais, enfin, tu vas pas aller te battre avec ça. Tiens donc. J'ai déshonoré ma reine. Le rituel a été corrompu. La prêtresse savait que seule la mort la sauverait et a donné sa vie. L'âme de la première et dernière reine est désormais prisonnière d'un corps sans vie. Sa rage provoque les tempêtes et ne s'arrêtera que lorsque son âme quittera cette terre. Mes gardes-tempêtes ont juré de la protéger. Ils devront continuer. Sans moi. Son âme reste prisonnière d'un corps sans vie. Voilà d'où viennent les tempêtes. Oui, pour arrêter ça, il faut détruire le corps dans la chambre des rituels. Il faut que j'arrive à convaincre les autres. Oui, d'accord, pourquoi pas? Ma foi, pourquoi pas? Merde! J'ai pas intérêt à traîner ici. Wouhou! Oh non! Waouh! Hein? On peut monter par là? Mais dans ce cas-là... Quoi bon? Par où passer? Ah! Ah! Pardon, ils sont là. Boum! Dans la tête! Oups! Un petit... Je suis en dessous... Aïe! N'approcherai pas. Bon, alors, même si ce fut un peu laborieux, j'ai réussi. Alors, et ben ici, on croirait que c'est le retour de l'apocalypse. Après la forteresse de Solaris, qui était totalement... Ouf! Sur le point de péter. Il y avait encore des explosions. Alors.
Il va donc falloir détruire ce cœur que nous avons trouvé. Oh non. Qu'est-ce qui se passe? On est attaqués. On a besoin d'aide. Oh non, mon sang, non. Ah. Il faut absolument que j'y retourne. Ah bah oui, on aurait mieux. J'arrive, j'arrive! Oh, c'est tout ce que vous avez dans le monde! Oh, est-ce que d'ici je pourrais m'amuser à essayer de les canarder? Oh, à mon avis, ce serait possible, mais le jeu a pas l'air de vouloir. Pas grave. Voici les ruines. Reyes, tu es blessé. Merci. Cette fois, j'ai vraiment cru que c'était la fin. J'ai vu personne. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Whitman. Il a emmené Sam pendant l'attaque. Il va sûrement la ramener à Mathias. C'est notre faute. Oh, merde. Enfin, c'est ma faute. Alors on fait quoi? On peut prendre le bateau et chercher de l'aide. Eux aussi, ils y ont cru. Tu avais raison pour Whitman, mais... Tu as vu les tempêtes. Elles ciblent les bateaux qui s'approchent. Des scientifiques qui étaient là pendant la Seconde Guerre pensaient que les tempêtes étaient contrôlées depuis la chambre des rituels qui est près du monastère. Je n'ai pas toutes les réponses, mais l'enlèvement de Sam est lié à tout ça. Et si on essaye de partir sans comprendre pourquoi, on mourra tous. Comme les pilotes. Et comme Ross. Bon. Je sais pas ce qui se passe, mais... Elle a peut-être raison. On ne peut pas retourner à la forteresse. C'est du suicide. Ce n'est pas là qu'ils vont. Ils vont l'emmener à la chambre des rituels. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir se rapprocher. Écoute, je sais bien que tu veux retrouver ta fille. Je comprends, tu sais, mais le combat n'est pas fini. Je ne te demande pas de me croire, Reyes. Je veux que tu me fasses confiance. Le combat n'est pas fini. Ok, on va mettre ça à l'eau. J'aime beaucoup aussi la phrase très philosophique. Je ne te demande pas de me croire, mais juste de me faire confiance. Ah oui, bien sûr. Bon, eh bien, chers amis, sur ce, je vais vous laisser. Nous allons profiter de ce feu de camp, tout de même, pour voir que nous avons un fusil à pompe de combat, pour pouvoir faire des améliorations. Alors... Alors, l'étranglement maximum ajoute un mode de tir alternatif qui empêche la dispersion et augmente ainsi la portée. Ah, c'est pas mal. La capsule incendiaire, le bout du canon est modifié afin de pouvoir attacher une capsule incendiaire aux balles.
D'accord. Boîtier de culasse modifié, mécanique personnalisée, augmente la performance et les dégâts produits. Ça, tout ça c'est fait. Et chargeur à tambour, augmente la vitesse de rechargement et augmente la capacité du chargeur à 12. Alors, sachant que je n'ai que 631 de matériaux, je vais augmenter le boîtier de culasse. Et je vais voir s'il n'y a pas possibilité d'augmenter autre chose. Voilà, équilibrage du poids. Sur l'arc. Voilà. Hop! Et donc, comme je vous disais, les amis, sur ce, c'est la fin du 22e épisode de Tomb Raider. Je vous dis à bientôt pour le 23e, où nous partirons à la salle des rituels, retrouver le traître Whitman et sauver Sam une fois encore. Salut à tous, et à la prochaine !